Le 28 novembre 2015 se déroulait la cérémonie de baptême de la promotion 2015 de l'École des commissaires des armées à Salon de Provence. Le baptême est le moment décisif où une promotion trouve son identité et affirme sa cohésion. Il met également en lumière les qualités de celles et ceux qui se sont engagés avant elle au service de la France, que ce soit à titre individuel ou collectif, sur la durée d'une vie ou à travers un épisode particulièrement marquant de notre histoire. Après la revue des troupes, c'est devant leurs familles, leurs anciens, leurs frères d'armes et des représentants des armées et services que les élèves de la promotion 2015 ont reçu, un genou à terre, leur nom de promotion Valmy. Ce nom fait écho à la bataille de Valmy, également appelée bataille du camp de la Lune, qui fut la première victoire décisive de l'armée française pendant les guerres de la Révolution en 1792. Il rappelle à nos élèves officiers comment l'audace et l'espérance sont importantes pour réussir et vaincre. Le directeur de l'école des commissaires des armées a ensuite confié le drapeau de l'école à la nouvelle garde, issue de la promotion 2015 baptisée Valmy. Accompagné par les fanfares du 1er régiment de Spahis de Valence et du 503e régiment du train de Nîmes, la promotion Valmy et sa garde, suivie de la promotion Provence ainsi que des commissaires sous contrat, ont clôturé la cérémonie par un magnifique défilé.